comme un squat, hein, c'est pareil. On va ouvrir et chercher en regardant devant à ouvrir le périnée, mais sentez que vous ne vous penchez pas trop sur vos jambes et que votre ventre reste long. Et cherchez le sol et ramenez et revenez sur la prière. Et là, cherchez en descendant à rétroverser et à descendre au maximum. Vous emmenez votre coude à l'extérieur, droit. Et poussez ici sur vos mains. Attention, vos genoux, regardez vos genoux. Si les genoux commencent, voyez, à négocier comme ça, on n'est pas bien. Gardez les deux genoux ensemble et pressez et cherchez à ramener les mains au milieu de la poitrine. Twistez au maximum. De là, vous prenez votre jambe gauche et vous l'emmenez derrière. Et cherchez à descendre au maximum les mains vers la gauche. La jambe droite va prendre son envol. Maintenant, la hanche s'ouvre et c'est maintenant. Donc, de là, je vais en avant, j'installe le genou, j'installe et je m'envole. Le plus compliqué, c'est de faire un peu de le cheminement et vous restez. On saute ou on marche. Allez, hop. On refait une jolie posture de la chaise. On suspend. Et on relève. Le cheminement et on reprendra la posture en bas, on ralentit. D'accord ? Mais il faut que je parte en rondeur. Je tire vers l'avant. Mais il ne faut pas, parce qu'on attend, vous voyez, à être là et à vouloir déjà se lever. Ce qui va être pas possible. Donc j'essaye d'ouvrir, je verrouille ma posture et on repousse. Mais on est plutôt dans la rondeur. Donc cherchez d'abord à ouvrir pour emmener vos fesses derrière. Et ensuite je serre et je tire les poings en avant. Oui, parce qu'en fait quand vous faites les poings, ça vous permet de monter plus haut. Donc souvent au début c'est plus facile, ça donne un peu plus d'espace. Donc n'hésitez pas à faire sur les poings. Restez sur les poings. Voilà. Pas mal. Je me mets comme ça, je chope ma jambe, et ici, et j'allonge plus ou moins. Ça peut être fléchi, hein, ça c'est beaucoup, vous voyez. Ça peut être allongé, ça c'est pas grave. Par contre, je peux faire comme ça, et certains préfèrent comme ça. Là, ici, et j'allonge de la même façon, ça permet de monter ici un petit peu plus haut. D'accord? Donc vous voyez, et si au début, j'ai besoin, alors des fois c'est plus compliqué pour ceux qui n'aiment pas rentrer le coude sous le ventre, voilà, ça ne c'est pas, vraiment, franchement, sincèrement, c'est pas plus facile pour moi facile. Il y en a qui arrivent bien à rentrer le coude, du coup ça allège un petit peu, je récupère ici, et la posture, ils arrivent à mieux soutenir, et d'autres, ils n'aiment pas ça, alors on allonge, on pose, et on peut naviguer. C'est vrai que quand on choisit celle-là, on peut beaucoup mieux monter la jambe de derrière. Voilà. Ça. Bon, si j'ai pas exactement comme ça, ça viendra. Et on essaye vraiment de sentir qu'on prend appui sur ce ventre. Et peut-être que d'abord, on le fait à droite et à gauche. Que vraiment le coude, j'arrive à le ramener dans le ventre. D'accord? Et si je suis sûre, je ramène bien dans le ventre, je pose, je fais monter la jambe et je pousse sur la deuxième. Tu ouvres, donc peut-être fléchis. Hein. Là, reste sans coller les fesses au sol. Fléchis, passe le pied derrière la cheville, pose le pied et le genou, mais pas la fesse. Là, recherche à remonter bien haut en rétroversant et décroche la jambe gauche. Voilà, de là, tu reposes la jambe gauche et sans décoller le talon pour chercher les flexions. Repars sur le côté et tu remontes en douceur. On repart jusqu'au